Bonjour mes amis, voilà je suis de retour comme par hasard, mais voilà j'ai placé ce matin une courte vidéo de 22 secondes que j'ai faite il n'y a pas longtemps parce que au fait je n'ai pas arrêté, même si j'ai arrêté de publier des vidéos comme annoncé précédemment. La colère s'est dissipée, bon, c'est rien du tout, hein. L'essentiel c'est que qu'on reste sur toujours la même lignée, même si on trouve parfois des problèmes, avec le temps on essaye soit de les surmonter, de les dépasser, de les régler, ou bien de jeter à la poubelle, ce n'est plus un problème. Un problème qui n'a pas de solution n'est pas un problème. Ça ne dépend pas ni de moi ni de vous, donc ce n'est pas un problème. C'est avec plaisir que je suis revenu ce matin, comme ça je me suis senti bien. J'ai fait un accéléré sur un dessin, j'ai éclairci les figures rupestres de Azrobuer qui sont vraiment. Ça m'a pris beaucoup de temps pour faire ce travail-là. J'étais vraiment content de voir ce que personne n'a vu depuis longtemps avec le logiciel. Et je voulais vous montrer ça, comme ça, en 22 secondes. Ensuite, ce que j'aimerais bien préciser, c'est quand je fais une vidéo sur les figures rupestres ou bien les écritures que je trouve sur les rochers, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Ça n'a rien. Il ne faut pas me faire des commentaires à sortir de sujet. Je ne sais pas. Je n'ai pas parlé de semoule, ni des immigrés, ni de filles, ni de la pluie, ni de rien du tout. Le sujet, ce sont les figures rupestres éclaircies de Azrobuer. Alors, commentons sur ça, apprenons. Comme je découvre des choses, je vous les montre. Vous pouvez me poser des questions, ainsi de suite. Vous pouvez m'aider à déchiffrer le contenu, etc. Voilà le but, hein. Voilà ce que, c'est-à-dire dans quel sens je mets des vidéos. Si quelqu'un veut autre sujet, YouTube, il y a des milliards de chaînes, il peut aller commenter, demander des questions. Mais moi, ce sont les figures rupestres, c'est l'archéologie en Kabylie en particulier. Je m'intéresse aussi à l'archéologie. De toute la planète, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de l'Oranie. Mais si je prononce un nom, il faut pas que ça choque quelqu'un. Si je dis, j'ai trouvé quelque chose à Tlemcen, ça ne veut pas dire Tlemcen, c'est le centre du monde, quand même. Oh, j'indique les lieux, c'est tout à fait normal. Donc arrêtons ça. Mais franchement, il n'y a que chez nous que ça existe, ce genre de Khalota, subhanallah. Voilà, donc puisque je suis dans un encombrement, tout ce que j'ai répondu, c'est pendant l'encombrement, vous m'avez aidé à passer le temps, à supporter cet encombrement monstrueux. Je vais vous montrer un petit peu, mais bref, bon, je vais vous montrer un petit peu. Il pleut d'ailleurs. Voilà, à peu près, l'encombrement, là, 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 là. Voilà, bref, je reprends ma vidéo. Et dans l'encombrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous mettre deux vidéos, la suite. Donc, comment je fais pour éclaircir exactement la technique que j'utilise pour éclaircir les figures rupestres, puisque j'ai la vidéo ici, sans montage. Ensuite, à la fin, je vais reprendre la petite vidéo de 20 secondes, je vais l'allonger un petit peu pour que vous voyez la beauté de ce travail-là, qui est vraiment passionnant. Ce sont des choses de rien du tout. Je vous ai montré le résultat final, mais il faut que vous sachiez que ce petit résultat final qui ressemble à. C'est comme quelqu'un qui écrit un texte, une lettre rapide. Il faut que vous sachiez. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des jours et des jours et des jours et des semaines et des semaines pour arriver à ce résultat-là. Mais toutes ces heures-là, toutes ces semaines-là, tous ces mois-là, ce sont des heures de bonheur, des jours de joie et des mois de paix intérieure. Vous ne pouvez pas imaginer.
le fait d'aller prendre une photo dans des endroits comme ça, ensuite arriver et découvrir des choses que personne n'a vues. Moi, je vous dis une chose, il y a des chercheurs de quelque chose, de présent ou quelque chose comme ça. Mais moi, quand je vois une écriture, ça n'a rien à voir, mais avec l'or du monde. C'est comme un soleil qui éclaire quelque chose et puis il voit que grâce à ce rayon de soleil-là, que la chose a pu être vue. Et aussi, même le soleil, il est content, même le rayon de soleil, il est content parce qu'on dit que un rayon de soleil, tant qu'il ne trouve pas quelque chose à éclairer, il n'existe pas. Donc nous existons tous ensemble, l'un par l'autre. Et c'est comme ça qu'on s'amuse dans la vie, c'est comme ça qu'on est heureux, et c'est ça qu'on partage. Moi, je partage la joie, la lumière. Merci. Donc suivez la suite. Merci aussi pour votre présence. Et commentez, aidez-moi à percer le mystère, percer pour voir. Bonne journée. Voilà, une de quoi. La technique que j'utilise pour éclaircir les figures rupestres etc. Donc voilà, je prends énormément de photos. Vous voyez. Soit à deux les photos, d'ailleurs, même le dossier est gay. Et tourne les photos. Voilà. Par exemple, un exemple. Voilà, parce que là déjà ça m'a pris le temps nécessaire. Par exemple, un exemple Wagi. Donc voilà, parce que je suis divin, mais je soupçonne l'écriture. Très bien. Après, l'opération à l'achat. Bon, je vais prendre Wagi. Voilà, je prends Wagi par exemple. Enfin, je soupçonne des écritures de qui. Mais, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est un logiciel. La photo est à peu près. Voilà, c'est qui. Voilà. On ne voit pas grand-chose. Mais je soupçonne des écritures. Alors, je fais ça. Donc, j'essaye beaucoup de choses. Donc, voilà, j'ai 21 déjà des écritures. 21, mais comme j'ai pris beaucoup de photos, donc, par exemple, c'est pour éclaircir, ou alors, est-ce que, bon, là, par exemple, avec l'expert, en plus d'un, voilà plusieurs photos. Par exemple, je dois aller de façon globale. Voilà. Là, il y a un tableau qui est comme il est intéressant. Donc, là, il y a un chemin à Horos. Donc, et je vais l'analyser doucement. Alors, j'essaie avec ça. Voilà. Déjà, tu vois un petit devant les écritures. Après, il y a 20 écritures. Je vois quand même, je vois un tableau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 lignes. Alors, je suis même expert, donc l'image est game. Alors, je vais jouer après. Quand je vais jouer sur ça, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. C'est un 0, est-ce que c'est
par exemple au café, il m'intrigue. Donc qu'est-ce que je fais? Non, je vais jouer sur les couleurs. Sur les couleurs, il y a beaucoup de techniques. Une façon, sur les couleurs, tu vas jouer sur les contrastes, etc. Et dans ta cerveau, voilà, voilà, après, voilà, voilà, Tagui, par exemple, alors je vais jouer ça, sur ça. Je vais jouer sur ça, et le mettre sur le canard, ou alors vraiment, lui, il est au chaud, et il se venait d'une façon claire. Alors, photo après photo, ensuite, je prends un crayon et je vais commencer à les dessiner de la place Guaïdan. Par exemple, un vegui Azrobel, tu fais déjà la photo et puis chaque photo, Zrel, à peu près, un idéal. De façon globale, un ou un emplacement est de gouverner. Par exemple, chaque photo. Après, bien sûr, dans la vidéo d'avant, dans la vidéo, chaque fois que je soupçonne le Hadja, à dîner blid, des gâchements le Hadja. Tu vois, par exemple, tu connais ton père, mais j'ai déjà pris une photo. Après, à ce traitement, la photo née après dans la fin qui se vend, mais le plus important, la guitoura en traitement exactement et je dois faire la guide d'une façon exceptionnelle pour vous afin de dessiner avec une mélancolie. Ça va prendre un peu de temps, mais je vais faire un accéléré. Faire par exemple la guide, c'est une signature. Regardez, je défends 10. Voilà, c'est bien. Tu vois la photo avec la guide, après voilà, je défends. Donc, on voit rien. Voilà, donc, c'est-à-dire, chaque élément, pour l'analyser, par exemple, un idée, il devient clair. La photo, plusieurs photos de différents éléments de succion, plusieurs photos, et il devient couleur. L'un de se faire, de se faire. Voilà, par exemple, voilà. Donc, par exemple, difficilement de faire la croix, avec une petite fenêtre, voilà, c'est bien, c'est quand même, etc., etc. Ça, voilà, je découpe les années, c'est-à-dire, je suis vraiment sûr de ce que je fais. Par exemple, avec la croix, c'est bien, en vérité, si une petite fenêtre dans des livres, c'est comme une forme de sorte de croix qui a deux branches comme ça. Il y a un cercle d'agui, or que non, c'est une croix, c'est un plus, un point, ou c'est une tête, c'est un cercle. Or que, un dernier one, ou si c'est un remarque, le montage, le toilet, c'est un d'agui par exemple. Et c'est bien là, c'est vraiment, c'est pour cerner, et chier le coup de sa masse au collier, pour être sûr. Hadja par exemple, un petit décrin des livres de Kenya et du Boto. Voilà comment il a relevé. Or, tout non. Non, c'est pas. Donc, d'ailleurs, des livres à Guy, il y a uniquement, il y a uniquement trois tableaux, mais qui j'ai trouvé 8. Donc, voilà ce qui a été répertorié par Poveto Zich des années 60. Mais, en vérité, il y a beaucoup plus grâce à la technologie à Guy Touran. Et voilà, va être déjà de Guy, un petit Sven, donc déjà le travail de tableau à Guy. Hacke fait par exemple de Guy déjà, tu fais un, deux, trois. Mais en vérité, il y a plus que ça. Avant de faire la photo à Guy, déjà un petit, il n'y a pas de venir de quel travail à Guy. Mais en vérité, comme on dit sinon, et tu vois. Mais voilà, après, parce que j'ai soupçonné, parce que j'ai soupçonné les photos à Guy, parce que j'ai soupçonné les Léouchilène de plus. Et bien, j'ai trouvé plus que ça. J'ai trouvé 8 tableaux, hâte par exemple. Voilà. Déjà, le guide, bon, j'ai quitté les gars, tu vois, 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 t
تورا درت يدي او نسينا هذا تفر تفرلت تفر اتفر وجي ابري شاك ايماج اتتسلم استوي استوي اتسرغ بمكانيس اتسوي ابري ادي فعل الجذب Voilà, donc bismillah. Et je vais travailler avec le stylo lagui direct. On va commencer de droite. À droite, le coulis HNF. À droite. À la droite, le coulis. Donc, on revient la courroie. La courroie lagui. De 9, ou gagné. Vous voyez, c'est l'extrême. C'est l'extrême gauche, au coulis F9. Mais à droite, le wiki. Donc, je vais essayer de reproduire à l'aide de plusieurs photos, de plusieurs angles, mais cette fois, l'écriture exacte. Et je vais vous dire exactement. Je vais vous dire des amas, à peu près, je vais vous dire des choses. Un divin. Par exemple, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, Regardez, regardez un petit soir. Donc je vais commencer ce crayon avec les stylos. Bien sûr, au-dessus à la gauche.